Bonjour, la suite aujourd'hui de notre visite guidée du château médiéval d'Oudon. Rentrons maintenant à l'intérieur du donjon, étage après étage. La Loire au fil des siècles, histoire d'un peintre anglais, voyage en ballon, suivez le guide. Donc nous voilà ici à l'intérieur du donjon dans lequel est aménagé un parcours spectacle portant sur le thème de la Loire au fil des siècles. Alors un parcours spectacle est finalement une composition de décors, films, mise en scène, jeux de lumière qui fait que finalement, eh bien, à chaque niveau de ce donjon, le visiteur est plongé à une époque différente, du Moyen-Âge où nous sommes ici jusqu'à l'époque contemporaine au quatrième niveau. Et ensuite, bien sûr, la visite s'achève sur le toit du donjon pour profiter de la vue imprenable sur la Loire. Alors donc, nous sommes ici au 19e siècle et là, grâce à cette scénographie, nous allons pouvoir accompagner le peintre anglais William Turner au cours de son voyage sur la Loire, donc au 19e siècle, à bord d'un bateau vapeur. Et cela donc de Nantes à Orléans, où ce peintre nous apprendra à la fois quelles furent pour lui ses sources d'inspiration, comment il s'y est pris pour réaliser des croquis lors de son voyage et ensuite des aquarelles de retour en Angleterre. Mais grâce à cette salle, nous avons aussi beaucoup d'informations sur la vie quotidienne sur les bords de Loire au XIXe siècle, où on retrouve notamment l'importance de la ville de Nantes à cette époque. Donc nous sommes là au dernier étage du donjon, quatrième niveau. À l'époque, au Moyen-Âge, c'était ici la salle d'apparat. On remarque que c'est ici que la cheminée est la plus travaillée, la plus impressionnante, donc salle de réception. Et c'est dans cette salle qu'a été installée une vidéo, un voyage virtuel en montgolfière et hélicoptère au-dessus de la Loire sur cet écran géant, de Fontevraud jusqu'à l'estuaire. Le toit du donjon a été aménagé. Les visiteurs peuvent faire tout le tour de cet espace. Nous sommes là à 40 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Et c'est vrai que c'est depuis ce toit du donjon qu'on comprend réellement l'importance de cette construction dans son rôle notamment de surveillance et de défense. Car au Moyen-Âge, de l'autre côté de la Loire, se trouvait l'immense cité médiévale de Champtoceau, le territoire ennemi rattaché au royaume de France. Mais finalement, ces deux communes longtemps ennemies se sont aujourd'hui rapprochées pour finalement travailler ensemble et pour créer le site Loire en Seine, qui permet donc aux visiteurs de découvrir la Loire au travers de diverses activités. Et ce qui plaît aussi beaucoup au tout public, c'est qu'ici, le parcours spectacle est composé de multiples supports. Et sachez que le château d'Oudon fait partie du réseau Jeunes Aventuriers. En clair, les jeunes visiteurs âgés de 6 à 12 ans se voient confier des missions, chasser un fantôme ou bien encore trouver un trésor.